There.
Sure, it stays on our face. So, how do you do that? You put the foundation? How do I do that? I used a nice tinted, it's a very light moisturizing tinted foundation. And then now you can put the powder. And then now we'll powder that, we'll set the foundation in by... Why you put the powder on the piece of paper towel? It's cleaner. Oh, so you don't mix it from one face to the other? Yeah. So her face is the only one that touches this powder, yeah? Okay, great. I understand the principle. Can you look up? Can you introduce yourself? Oh, my name is Reed. Reed, nice to meet you. Reed, good to meet you. I work with Philippe. Hello, Todd. How are you? Love it. So when you're putting makeup on your girlfriend, who's putting? Andrea. This is Andrea. Andrea, you have a good taste, wouldn't it? Look at him, Andrea. You could make a good couple together. Can Andrea and I make a couple? You both have good. You both have green eyes. For a few cocktails, but yeah. I'm sure Andrea and I would be competing for the same, you know. Probably. Close your eyes. You're not married though, are you? No, you're not. I'm just recording. She's single. Andrea's available. I'd love to have a makeup on every day for you. Exactly. Ok, bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Philippe Torgeman, que j'ai eu finalement la chance de rencontrer. Et j'ai filmé donc son salon la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va parler un peu comment il est devenu coiffeur super de San Francisco. Et d'ailleurs, ça s'appelle Au Top Coiffure, n'est-ce pas? Au Top Coiffure. Ok, donc est-ce que c'est au top parce que c'est en haut ou bien c'est au top parce que c'est top of the line? C'est pour toutes les mêmes raisons en fait. Au top, j'ai un partenaire qui est américain, James Wofford. Donc au top. Le meilleur des meilleurs, oui. C'est le meilleur coloriste. D'accord.
Mais au top, c'est un nom franco-américain. Top, c'était un mot qui marche américain et français. Ouais. Au top, et on est au top d'un building. Ouais. On essaie d'être. Fait la combinaison, ouais. Voilà, on essaie d'être au top de ce qu'on fait. Ouais. Alors voilà, on l'a appelé au top coiffure. Ouais, ouais, ouais. Et mm-hmm. ouais, d'ailleurs Daniel, il est super. Hein. J'étais impressionnée par lui. Ouais. 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 Et donc vous avez des super bons. Styliste. Ouais. D'accord. Ouais. Et toi-même, est-ce que tu es styliste ou est-ce que tu es juste dirigeant? Non, moi je coupe les cheveux, donc c'est tout ce que je fais. Les gens font le reste. Voilà, ils prennent un rendez-vous pour une coupe de cheveux avec moi, et puis j'ai toute une équipe qui travaille autour, donc quelques gens qui vont s'occuper de tout ce qui est shampoing ou réceptionning. D'autres qui vont s'occuper de sécher le cheveu pour moi, une fois que j'ai fini de couper, la couleur. Ouais. Ouais. Donc moi je me concentre juste au niveau de la coupe. D'accord, et tu laisses le reste. Je laisse le reste. D'accord. Voilà. Donc tu vas pas de A à Z avec une cliente. Non, ouais, enfin, je vais pas de A à Z techniquement, mais en général, je vais décider du. Si par exemple je décide une couleur, je vais parler au coloriste, lui dire ok, voilà ce que je veux, et de là je lui laisse carte blanche. Mais donc je dirige d'une façon, mais d'un autre côté, je leur laisse carte blanche de faire un peu ce qu'ils veulent. Quoi. Ouais. Et le styliste, tu lui dis voilà ce que je voudrais. Le styliste, je lui dis, si je veux le cheveu raide, je lui dis fais-moi un cheveu raide. Si je veux un cheveu frisé, je lui dis fais-moi un cheveu frisé. Mais je voulais parler surtout de ton histoire, parce que tu m'as dit que tu as une histoire très intéressante. Mm-hmm. Donc tu as quitté, enfin, je ne t'ai parlé que pendant 5 minutes, mais on va essayer de parler un petit peu de ton histoire. Mm-hmm. Donc tu étais un jeune teenager, 18 ans, et tu décides de partir de chez toi, c'est ça? Voilà. Et à l'aventure? À l'aventure, alors j'ai testé un peu à droite à gauche, et puis je suis arrivé aux États-Unis en 92. Ouais, et avant les États-Unis, tu es... Ben, j'ai bourlingué un peu, j'ai fait un peu l'Espagne, un peu l'Italie, un peu partout. Ouais, comment tu vivais quand tu voyageais? Ça, c'est une bonne question. Mais d'ailleurs, pour voyager, il faut avoir de l'argent, moi. Eh bien non, je n'avais pas d'argent, alors j'ai campé, je suis resté chez des gens, j'essayais de me débrouiller. C'était au pif. Oui. Chaque ville où j'ai essayé de faire quelque chose, j'ai été pertinemment en sachant que je ne connaissais personne. Ah ouais? Ça me plaît. Pour moi, c'est la vraie aventure. Tu arrives dans un pays dont tu ne parles pas la langue, tu ne connais personne, tu ne sais pas où est la ville, comparé de l'aéroport. Et tu te fais des amis. Et puis, les amis, ça vient après. Au départ, il faut que tu trouves un hôtel, un logement, quelque chose. Mais je crois que ça te forge. Enfin, moi, ça m'a forgé, quoi. Ça m'a vraiment fait... Tu as appris à te débrouiller. Voilà. C'était pas évident. Bon, alors, c'est pas évident justement. Alors quand tu as tout dépensé, tu fais des petits boulots sur le côté, c'est ça? Oui, j'ai fait quelques travaux. Je jouais un peu de batterie. Ah. Alors j'allais dans les clubs la nuit, j'essayais de taper un peu la batterie, me faire quelques pourboires et un peu de cash. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux, donc j'essayais aussi de donner quelques cours à droite à gauche. Mmh. Mais l'expérience à San Francisco a été rapide. Je suis arrivé ici en 92, fin 92, et il m'a fallu 3 jours pour trouver un boulot dans un salon de coiffure. Ah ouais. Ouais. Et ils t'ont formé? Oui et non, j'avais rien à perdre, quoi. Je leur ai dit je suis de France. Et tu leur as dit quoi? Tu leur as raconté une blague ou... Et ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était quelqu'un, le salon de coiffure où j'ai commencé, c'était un make-up artist, le gars qui avait ce salon, qui était très connu, donc il faisait que des maquillages de stars, de gens très connus. Là, il s'appelait David Starr. C'est pas vrai, tu as travaillé avec David Starr? Ouais, j'ai travaillé avec David Starr. Quelle chance. Oui et non, hein. Pourquoi? Il a une bonne réputation. Oui, en tant que maquilleur, il est très très fort, mais en tant que personne, il a... on ne va pas parler de lui. D'accord. Mais donc, quand je suis arrivé, lui, il s'occupait des maquillages, il a ouvert un salon de coiffure à l'époque. Ouais. Il cherchait quelqu'un pour le tenir, et moi, je ne parlais pas anglais. Genre, j'étais dans un café Claude, qui est juste à côté, et j'ai demandé à un serveur de venir traduire pour moi. Et quand le gars a traduit, David Starr a dit, j'ai pas besoin d'un coiffeur. Mmh. Donc moi je lui ai dit, écoute, dis-lui que ses employés ont des coiffures terribles. Mmh. Et il s'avérait que c'était David Starr qui leur avait fait les coiffures. Mmh. Alors quand il a vu quand il a réagi, il a dit, ah, un petit prétentieux, tu les coiffes toutes, les employés, si tu fais mieux que moi, je t'emploie. Et tu as fait ça. Et donc j'avais mes ciseaux et mon peigne dans la poche, et je
je les ai coiffés, j'ai eu le travail comme ça. Et il t'a engagé. Il m'a engagé comme ça, sur le champ, et puis de là... Tu avais déjà appris quelque part. J'ai jamais vraiment appris la coiffure. J'ai fait de l'art. Donc tu as fait ça au pif et il a aimé. J'ai fait ça au pif. Enfin, j'avais fait déjà en France un petit peu, mais à la base, je n'ai jamais appris à couper le cheveu. Ah oui, tu n'es pas allé dans une école. Non, je suis anti-cosmétology school. Ah d'accord. Moi, je suis à fond dans l'art. Donc tu étais avec David Starr pendant combien de temps? Pendant à peu près un an. Donc je ne parlais pas anglais. Figure-toi qu'il a une super réputation ici, lui. Ah ben oui, on a vu Diana Ross, on a vu Matt Dillon, on a vu Sharon Stone. Mais justement, il fait les stars. Voilà, et donc moi, il m'a chouchouté un peu, il m'a un peu aidé aussi, et il leur disait à toutes, voilà, c'est mon jeune coiffeur de France, il est très fort, machin. Et j'ai eu la chance de les coiffer comme ça. Super, je ne savais pas que tu n'avais aucune formation. Non, j'ai tout été au culot. Ah, vraiment? Et puis donc, là, c'est vraiment du culot. C'est du culot, oui. Donc j'ai travaillé chez lui pendant un an à coiffer ces gens-là et j'ai eu beaucoup de beaux noms de San Francisco, ça a été là ma chance. Et c'est comme ça que tu t'es formé? Voilà, ça fait boule de neige, les gens commençaient à venir. J'ai eu la chance de coiffer des gens des journaux qui ont écrit quelques revues sur mon travail. Ouais. Et puis après, j'ai appris qu'à San Francisco, il y avait moyen de louer un siège et d'être indépendant au lieu de et travailler pour que quelqu'un. Voilà, alors donc j'ai démissionné de chez lui, je suis parti, j'ai essayé d'amener ma clientèle avec moi. Travailler, en train de construire une clientèle, et quand la clientèle était assez grande, on a ouvert au top. Et tu leur as dit, venez au top. Venez au top, et de là, ben, on a eu beaucoup de succès, on a toujours été... Et au top existe depuis combien de temps? Au top a été fondé en mars 97. Mmh. Voilà. Donc, on a ouvert un premier étage qui était le top floor, le dernier étage de la tour, et maintenant on a l'étage du dessous aussi. Mais alors, quand tu es arrivé à San Francisco, tu venais d'où? J'arrivais de France. Tu arrivais de France? J'avais voyagé un peu en Espagne, ouais. En Italie. Tu es venu avec ton petit sac à dos, c'est ça? Je suis venu avec mon sac à dos, j'avais 560 $ sur moi. Mm-hmm. Et quand j'étais à l'aéroport, je savais même pas où était San Francisco. Et j'ai demandé à des gens, comment vous allez au centre-ville? Et c'est là que j'ai entendu dire super chelou. Ouais. Ils m'ont déposé sur Union Square. Et de là, j'ai réalisé qu'avec mes 560 $, je n'allais pas tenir trop longtemps. Ouais, c'est cher, oui. Trop cher. De là, j'ai fini au Tenderloin, sur Jones et Marquette. Ouais. C'était pas très joli. Alors, j'ai tenu, et où tu dormais? Eh ben, j'étais dans Jones et Marquette, c'était un hôtel où j'étais le seul blanc, je dirais. Ouais. Pour 15 $ la nuit, quoi. Et mes roommates, c'était des cafards. Hein? Donc j'ai tenu le coup pendant quelques semaines, à peu près un mois. Ouais. Et puis après, avec le travail chez David Starr, ça commençait heureusement à rentrer un petit peu. Et de là, j'ai pu prendre, tu sais, ces un petits petit hôtels, les studios hôtels que tu loues pour le mois. Ouais. Et ça a pris bien un peu 6 mois avant de pouvoir sortir de cette chose-là. De cet environnement. Ouais, voilà. Et 6 mois après, bon, ben, j'ai pu avoir mon premier studio. Et puis tout d'un coup, voilà, ça va tout mieux. Tout d'un coup, ça va mieux. Ça va mieux, tu es à l'aise là? Ah là, ça va très bien, oui. Ouais. Tu ne te soucies pas de ton environnement? Non. C'est non, bon? Non, ça va bien. Tant mieux. Et puis ça a été une expérience fabuleuse. Ah oui, oui, tu as rencontré des gens très intéressants, c'est ça? On a rencontré des gens très intéressants, des stars, des gens dans le business très intéressants, des gens comme toi, des gens super. Et on n'a jamais essayé de devenir une factory, tu vois, une usine à cheveux. On a gardé notre salon en exclusivité, si tu veux. Donc on fait vraiment des gens qui doivent attendre 2 mois, 3 mois pour pouvoir nous voir, parce qu'on a un schedule qui est comme ça, un emploi du temps qui est très busy. Donc il faut qu'ils attendent 2 ou 3 mois. Mais on a des gens super. Qui veulent bien attendre. Voilà. Ouais. Et ça donne, c'est vraiment sympathique. D'accord. Et puis donc après au top, eh ben, j'ai décidé de faire ma ligne de produits. Mais s'ils ne veulent pas attendre, tu dis, voulez-vous prendre quelqu'un d'autre? Ben, les gens, s'ils ne veulent pas attendre, moi, avec mon emploi du temps, c'est 2 mois. Ouais, donc, mais s'ils ne veulent pas, tu leur donnes un ils Daniel. Peuvent aller à Daniel d'accord. Ou qui que ce soit d'autre. D'accord. J'ai beaucoup de stylistes comme Angela, pardonnez-moi. Oui, alors tu lui donnes un peu de tes clients? Angela Reed, ils font beaucoup de mes clients. D'accord. Ouais. Et toi, tes clients, bon, ben, qu'est-ce qui te trouve en toi qui est plus spécial que les deux autres? Une question un peu difficile, tu me demandes. Il y a beaucoup de gens qui aiment avoir quelqu'un qui est français. C'est une combinaison, c'est d'être français, c'est d'avoir une clientèle tellement large.
Ça prouve que quelque part ça doit être bon. Ma vision en tant qu'artiste et pas coiffeur leur plaît. J'ai vraiment une vision au niveau de la coiffure qui est complètement différente des coiffeurs. Je participe jamais à des événements de coiffure, je participe à des événements d'art. D'accord. Et c'est de là que je prends mon imagination dans l'art. D'accord. Voilà. Donc ce que tu leur fais est un peu différent de ce qu'ils voient dans les Complètement. Livres. Dans les livres. Complètement. D'accord. Comment je peux t'expliquer? J'ai une technique par exemple où j'utilise une tondeuse. Ouais. Mais une tondeuse, tu vois, qui est immense. Parce qu'un jour j'ai vu un film avec un ours. Ouais. L'ours est à côté d'un arbre avec ses grandes griffes, tu vois, et il est en train de racler. Ouais. Et ça donne un shape, tu vois, qui est épais et qui se courbe et qui finit en pointe, comme ça. Je disais, si tu peux donner aux cheveux ça serait super, mais avec une lame de ciseau qui est droite, tu peux pas couper le cheveu rond. Alors, un jour, j'ai une copine, tu vois, qui avait les cheveux presque aussi longs que toi, mais assez lisses, parce que sur un cheveu frisé, ça va pas marcher de la même façon. Okay. Et je lui ai tout mis ses cheveux sur ma main, comme ça, j'ai pris la tondeuse et puis j'y étais en faisant un arc de cercle. Ah. Et c'est de là que tu trouves des dégradés qui vont t'entourer le visage, tu vois, mais avec cette courbe que tu vas pas retrouver sur un ciseau. Ah. Et c'est un peu ce concept-là que je vais utiliser à chaque fois que je fais quelque chose avec mes ciseaux. Par exemple, les ciseaux que j'utilise, le ciseau standard coiffeur est un 5 inch, le mien est un 8 inch. Les coiffeurs coupent les cheveux avec les mains. Donc le cheveu est dans les doigts. Moi je coupe avec un peigne qui est très long. Le peigne a le cheveu qui dépasse. De là je prends mes grands ciseaux et paf, tu vois. Ah, tu peux enseigner cette technique. J'aimerais. Je suis je suis très croyant que l'art devrait prendre l'avantage sur la cosmétologie. Oui, bien sûr, oui. Parce que... Mais est-ce que les coiffeurs ont tendance à trop couper? Par exemple, si tu as des longs cheveux comme ça, tu voudrais tout couper. Et les coiffeurs ont une tendance, si tu veux, tout vient de l'apprentissage qu'ils ont. Quand tu vas faire un apprentissage dans la cosmétologie, dans la coiffure... Couper plus qu'il en faut, je crois. En général. Oui. Mais on ne leur apprend pas à être délicat, à être compréhensif, à communiquer avec une cliente. Et c'est ça que tu peux faire maintenant avec la cliente? Tu as quoi, 80% de femmes, 20% d'hommes? C'est ça. Ah ouais, 80%, tu as deviné, tu as fait en plein dans le mille. En fait on a, avec notre ordinateur, on arrive à savoir exactement où j'en suis. Et justement, les gens qui s'occupent de prendre les rendez-vous savent que dès que sur l'ordinateur, on a un tout petit peu plus que 20% d'hommes, c'est là où je vais réduire, justement. Je ne veux pas avoir plus que 20% d'hommes. Tu veux pas, la créativité se limite avec les hommes. Parce qu'ils sont trop courts, les cheveux, Oui, puis t'es créativement, tu peux pas vraiment te... Tu peux pas faire grand-chose avec des cheveux courts. Surtout en ce moment, la mode pour les hommes, c'est du très très court. Alors tu leur dis, allez voir quelqu'un d'autre. J'essaie de les diriger de les plus sur les autres coiffeurs. Ouais, voilà. D'accord. Et donc, de cette technique que tu as développée pour toi-même, tu pourrais donc en faire une... J'aimerais. En fait, un rêve que j'ai, c'est d'ouvrir une école d'art pour la coiffure, qui serait séparé en deux services. L'un serait pour les coiffeurs, pour apprendre l'art, comment se dessine un cuir chevelu et compagnie, et l'autre partie serait en général pour des clientes, qui pourraient très bien être pour toi, pour venir et apprendre à te coiffer toi-même. Hein? Par exemple, tu veux les cheveux raides, au lieu d'aller chez le coiffeur et qu'il te fasse un brushing bien raide, on pourrait apprendre à le faire de A à Z par toi-même, sur une course d'un jour ou deux. Et parce que c'est très souvent que tu vas chez le coiffeur et je suis pas contente. T'es pas contente, tu t'en vas, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça, il faut que je me lave les cheveux. Ou alors l'opposé, tu sors, tu adores et tu te dis jamais je pourrais le refaire le dupliquer. Donc nous on pourrait t'apprendre ça. Alors j'ai ce service là au salon où où ces jeunes femmes peuvent venir nous voir et apprendre ce genre de choses. On leur donne un blow-dry lesson et on leur apprend. Le problème, c'est que quand un coiffeur fait une grosse faute, par exemple quand moi on m'a coupé ma frange là il y a quelques mois, ça prend des mois pour rectifier la faute, parce qu'il faut attendre que ça pousse. Alors là, que ça commence à pousser, c'est rectifié. C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de gens qui vont attendre 2 mois parce qu'ils n'ont pas ce genre de surprise quand ils me voient. D'accord. Si je m'assois avec toi et je n'ai pas de peigne ou de ciseaux dans les mains et que je prends le temps, 5 minutes, 10 minutes, pour parler avec toi et avant te poser les questions clés avant. Si je te dis aujourd'hui, qu'est-ce qui te déplaît? Ouais. Déjà, j'ai fait 50% de mon travail. D'accord. Je ne vais pas faire ce qui te déplaît. D'accord.
C'est toute une approche à essayer d'être psychologique. Donc, avant de commencer, tu leur parles. Je leur parle, j'essaye d'avoir le plus d'informations, et de là, je sais où je vais. Ah, d'accord. Et une fois que tu sais à peu près ce qu'elles veulent, tu peux créer sur ça. Mais ton exemple était très bon. Beaucoup, beaucoup de femmes arrivent avec un cheveu très long, elles vont se plaindre qu'on leur a coupé trop. Mmh. Et ça, c'est une chose qui est tellement basique que tu devrais l'apprendre à ces apprentis. C'est de leur dire, une femme qui rentre chez toi, dans ton salon de coiffure, avec un cheveu très long, c'est qu'elle aime si elle n'est pas prête mentalement à couper de son cheveu, ne le fais pas. Ne le fais pas, parce que même si tu lui fais une coupe superbe, elle va te haïr. Mmh. Donc, parle-lui d'abord. Ouais. Surtout si elle a les cheveux aussi longs que toi. Parce d'accord. Que vraiment, tu vas faire une erreur sinon. Donc, c'est beaucoup. C'est, la coiffure, c'est pas juste comment tu coupes les cheveux. Mm-hmm. C'est comment tu arrives à comprendre une femme. C'est comment tu arrives à la faire se sentir belle, etc. etc. Okay. Et ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut. Ouais. Bon, bien sûr, si tu performes pas bien, va pas revenir. mais c'est une combinaison de toutes ces choses-là. D'accord. Et on essaye de faire ça au top. Et au fur et à mesure des années, tu as beaucoup appris, c'est ça ? Ouais. Et tu apprends chaque jour. Tous les jours. C'est ça ce qui est beau dans ce métier. Le coiffeur apprendra jusqu'à la fin de ses jours. Parce que c'est vrai que chaque client est différent, chacun est différent. Ouais, absolument. C'est ça ce qui est beau de travailler avec des êtres humains, c'est qu'on est tous différents, donc ça change toujours. Tout à fait, oui. Bon, ben ça a été un plaisir de te parler. Je pense que ton histoire est très bonne. En fait, tu as réussi. Merci. Et merci. En plus de ça, donc, je crois que tu fais ta propre ligne de produits en plus. Voilà, j'ai fait une ligne de produits qui s'appelle Filou. Oui, que j'ai filmé au salon et qu'on va montrer. Voilà. Et ça marche aussi ? Ça marche très fort, en fait. On commence à vendre. Ça va en France aussi ? Ça va se vendre en France très rapidement. Ça va se vendre à l'étranger dans plusieurs pays. Ok. Et à l'heure qu'il est, ça se vend aux États-Unis un peu de partout, chez Sephora. Et puis, on a un site qui s'appelle filou.net où on peut vendre le produit par notre site, on a un numéro vert. Ouais. Et qu'est-ce que tu voudrais accomplir à partir de maintenant ? Eh bien, si tu veux, maintenant... Maintenant que tu as réussi. Maintenant que j'ai réussi, les choses deviennent un peu plus faciles au niveau de dire, tiens, maintenant, avec un budget qui est un peu plus fort, peut-être je peux faire ce que je n'avais pas la possibilité de faire il y a quelques années. Ouais. Donc, je vais me diriger là-dessus. D'accord. Donc, tu vas construire autour de ça. J'adore construire, j'adore avoir une vision et j'adore la faire... Réaliser, ouais. Bon, ben, on te parlera peut-être dans 5 ans, on verra ce que tu as réalisé. Ben, je te remercie de m'avoir ici, ça m'a fait très plaisir de venir en tout cas. Ok, bon, ben, c'est très bien. Donc on va montrer, après l'interview, quelques exemples de ce que on a pu filmer au top. Mm-hmm. Donc, c'était Philippe Torjman, ici. Donc, Torjman, c'est origine du Maroc, n'est-ce pas ? Oui. Mais tu es né en France ? Je suis né en France, je suis né à Marseille. Donc d'origine du Maroc, né en France et oui, j'ai un père d'origine marocaine, j'ai une mère d'origine italienne. D'accord, et donc tu es maintenant américain ? Non, je suis français. Tu es resté français ? Je suis resté français. D'accord. Je reste aux racines. D'accord, bon, ben, ça a été un plaisir aussi de te rencontrer. Merci, merci beaucoup. Merci. Thank you.
Ok. Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Audrey. Bonsoir Audrey, accompagnée donc de Xavier, et qui est peintre, et de Claire qui est photographe. Donc on va apprendre à les connaître ensemble parce que je viens de les rencontrer moi-même. Et même Audrey, je ne la connaissais pas, j'ai fait sa connaissance par téléphone. C'était un coup de fil qui venait de je ne sais pas d'où. Je sais pas, tu m'as dit que tu as reçu une carte sur ta table. Une carte de visite magique. Hein, et ta table. Qui m'amène jusque là, exactement. D'accord. Ça doit être quelqu'un qui m'a rencontré, qui a pris ma carte. Peut-être. Qui donné. D'accord. Et donc, c'est une compagnie pour qui tu travailles, qui a pensé que ça t'intéresserait d'avoir ma carte, c'est ça? L'entreprise pour laquelle je travaille s'appelle Paradigm Promotions. C'est une agence de relations publiques. D'accord. Bon, ça n'a rien d'intéressant, si ce n'est que nous travaillons avec Open Studios, qui est un de nos clients. Peut-être je peux expliquer tout de suite. Oui, expliquer. Ouais, pourquoi donc, pas. Open Studios, voilà. Donc, je vais présenter cette carte visuelle. C'est quoi? Open Studios, c'est une des plus grandes expositions d'art à San Francisco qui a lieu tous les mois d'octobre, chaque année. Ouais. Une des plus grandes parce que ça regroupe à peu près, et cette année, nous avons 750 artistes dans San Francisco. Oui, j'ai entendu parler. Et donc, ils se réunissent tous ensemble et ils ouvrent leur studio au public. D'accord. Donc, c'est assez sympathique parce que le public peut aller visiter les studios, rencontrer les artistes, voir ce qu'ils font. Et je dirais découvrir un petit peu l'intimité de l'artiste même. Donc, ça peut aller à la peinture, la sculpture, les photographes. Donc, il y a l'embarras du choix. Tout à fait, voilà. Et l'avantage, c'est qu'on choisit le studio qu'on va aller visiter. D'accord. Donc, nous avons mis en place un guide qui n'est pas encore sorti, mais qui va arriver mercredi. Oui. Et ça vous donne les adresses de tous les artistes, où ils sont, ce qu'ils font, avec un exemple de ce qu'ils ont fait. De leur art. D'accord. Voilà, exactement. Donc, Xavier et Claire seront dans ce guide, c'est ça? Xavier et Claire sont des artistes qui participent à Open Studio cette année. D'accord. Claire et donc, est nouvelle d'ailleurs. Oui, et donc ton studio, c'est en fait ta maison, c'est ça? Non, parce que ma maison est trop petite, je ne peux pas travailler. Donc j'utilise des locaux qui sont Start of Market, sur Folsom et la 6e, et qui me donnent accès à un espace immense. Un espace pour mettre tes mettre mon travail, voilà. Super. Et toi? Bah, mon studio n'est pas chez moi, oui. Mais c'est à quelques maisons de chez moi. Mmh. Ça va être, je vais avoir une expo personnelle dans un café. Super. Sur la rue, la 17e rue et Sanchez. Et ça s'appelle comment ce café? Le café s'appelle Cup of Joe. Cup of Joe. Et puis l'année dernière, j'ai eu le Open Studio chez moi, mais je suis un peu trop privé, alors je préfère pas avoir des gens. Préfère dans un café. Oh, ouais, je pense que c'est plus sympathique dans un café, il y a plus d'espace. Et puis, en fait, je vais avoir l'expo pendant tout le mois d'octobre et pas simplement le week-end, qui me correspond. Et tu peins depuis longtemps ici? Ben, je suis né à Genève en Suisse. J'ai vécu là-bas pendant 15 ans. Ouais. Et puis, après, j'étais à Mexico. Je suis moitié mexicain, moitié suisse. Puis, je fais la peinture depuis l'âge de 3 ou 4 ans. Oui. Et je suis à San Francisco depuis 5 ans et puis je fais des expos. À peu près 2 ou 3 expos personnels par an à San Francisco. Et mon travail, c'est des acryliques sur toile, c'est des séries de paysages urbains et puis des personnages un peu totémiques. Mmh, d'accord. Donc c'est ce que tu as apporté ce soir? J'ai apporté 5 tableaux, j'ai apporté quelques paysages urbains, sur San Francisco. Oui. Et puis. Et celui qu'on voit là, c'est quoi? Ben, celui-là, il s'appelle Stretching. C'est des personnages, en fait, c'est des gens que je connais. Oui. C'est des amis à moi. Mm-hmm. Alors, je prends un peu leur caractère, un peu des histoires intimes que j'essaie de projeter avec une certaine atmosphère. Ah ouais. Un exemple, par exemple, celui qui a la tête rose, là, qu'est-ce qu'il est? Ben, celui-là, c'est quelqu'un. En fait, c'est quelqu'un qui a des problèmes de cœur, des problèmes. des histoires d'amour. Donc, tu l'as pas en rose. Il a de la chance pendant un mois et puis après, il n'a pas beaucoup de chance. Ah, d'accord, ça doit être moi, ça. Bon, et alors, c'est quelqu'un que tu as rencontré et qui existe vraiment. Oui, tous mes personnages dans mes tableaux, c'est des gens qui existent. Que ce soit des amis à moi, que je connais assez bien, ou que ce soit des gens que je rencontre. Et puis, c'est un peu l'idée, ce qui se passe dans leur tête. Et un des propos, c'est, avant je faisais la peinture figurative,
Et à ce moment, je pense que c'est plus intéressant de changer totalement les formes et apporter un peu plus d'originalité. Okay. C'est pour ça que ce n'est pas vraiment des personnages, mais c'est des personnages totémiques. Comme tu les vois. Oui. Et je pense que c'est aussi pour apporter un peu plus d'originalité et pas pour répéter la peinture figurative que beaucoup d'autres artistes font en ce moment. J'essaie d'apporter un petit grain d'originalité. Ah, d'accord. Et je travaille, la plupart du temps, je travaille avec les couleurs, les harmonies de bleu, rouge, les mauves et les roses. D'accord. Et tu vas donc nous présenter à peu près combien de tableaux dans ce café? Ben, je vais avoir 25 tableaux. Ouh, c'est pas mal, c'est un grand café alors. C'est 25 tableaux. La plus grande partie, il mesure 24 par 36 inches. Oui. Et puis, je vais avoir aussi des petits tableaux. Par exemple, en ce moment, ce tableau, il s'appelle San Francisco. C'est l'acrylique sur papier. Et il a des éléments de collage. Alors ici, on a un peu une idée d'une ville avec des fenêtres qui sont dans le ciel. C'est-à-dire, on peut voir d'autres choses quand on observe le ciel. Ok. Donc chacun, comme tu ne vas pas expliquer un par un ce que c'est, chacun il va comprendre ce qu'il veut, c'est ça? En fait, je pense que chaque personne, les tableaux n'ont pas besoin d'être expliqués. Oui. Chaque personne voit quelque chose et sentiment envers un tableau. Une personne va tomber amoureuse avec un tableau spécifique et puis d'autres gens ne vont pas vraiment aimer d'accord. ce tableau-là. Mais toi, tu t'en fous s'ils ont compris ce que tu veux ou pas? Moi, je me concentre à faire le tableau. C'est là où je suis totalement content. D'accord. Et puis, s'ils veulent l'acheter, tu leur expliques ce que tu as voulu. En fait, Open Studio, c'est une opportunité magnifique parce qu'il n'y a pas une galerie intermédiaire. Alors, les prix sont des prix à moitié prix. D'accord. Parce qu'on n'a pas une galerie derrière nous qui prend un pourcentage. Et comment tu fais, Audrey, alors? Ah, ça c'est secret. Open Studios travaille avec la compagnie Paradigm Promotions. Ouais, ouais. Et puis Open Studios s'occupe... Open Studios, en fait, est organisé par Artspan, qui est donc une organisation à non-profit, but non lucratif. Et donc, c'est eux qui, je dirais, financent en partie Open Studios. Yeah, la promotion. Voilà. Et nous, on fait tout ce qui est... C'est plus côté promotionnel, ce que d'accord. ça. Et donc toi, ton background, c'est la PR. C'est relations publiques, essentiellement. Donc, on travaille avec la presse, la télévision, quand on peut. D'accord. Nous sommes ravis d'être ici ce soir. D'accord. Voilà. Tu as aussi un site où tu mets quelques exemples des... Oui, donc il y a le site de Artspan Open Studios qui est www.sfopenstudios.com où il y a justement des exemples de... Normalement, il y a une pièce chaque okay. Un exemple de chaque artiste. Okay. On peut visiter. C'est une galerie. C'est un grand site alors. C'est un grand site, c'est une galerie sur Internet. Donc super. C'est bien animé. D'accord. Et ça dure combien de temps? Une semaine? Le Open Studio, ça va durer tout le mois d'octobre. Ah ben, c'est très long. C'est 4 week-ends, exactement. Mmh. D'accord. Et puis, c'est un événement qui, je pense qu'ils sont sur la 15e ou la 16e année. Ouais. Et il y a plus de 600 artistes. Mmh. Et il va et y avoir... Cette année, 700, c'est ça? 750 artistes, et cette année, nous fêtons le 25e anniversaire. Oh, le 25e. Je me permets de corriger parce qu'il y a... Il va y avoir une grande partie, alors. Voilà, il va y avoir un certain nombre d'événements qui sont organisés par Artspan, dont un qui arrive la semaine prochaine, mercredi, qui est à Vitra, c'est un magasin de meubles. Et on invite les artistes, on invite les architectes, les designers, les médias, tout le monde ensemble. Et puis, on remet tout ça, on verra ce que ça va faire. <D'accord>. Mais ça devrait être bien sympathique. The word get out, c'est ça? Exactement. Pour que tout le monde sache. Tout à fait. Voilà. Non, parce que j'avais filmé une Française. Et son studio était dans sa maison. Ça arrive aussi. Tous les artistes, enfin la plupart des artistes en général, ont leur studio à la maison. Oui, c'est le but du jeu parce que c'est là justement où on rentre en plus d'intimité avec l'artiste. D'accord. On voit comment ils travaillent, ils ont tout leur matériel autour. Ce qui n'est pas forcément le cas dans un café parce que tu ne peux pas amener tout ton matériel, tout ton atelier.
Et donc en fait, brièvement, c'est 4 week-ends. Le premier commence à Castro, Dubas, Mission, tous ces quartiers. Et donc tous les studios qui sont situés dans ces quartiers-là vont ouvrir leur studio pendant 2 jours, de 10h du matin jusqu'à 6h du soir, le samedi et le dimanche. Et puis le week-end d'après, on passe sur un autre quartier de San Francisco. Le deuxième week-end, c'est Richmond, Sunset, Formation, Marina. Tu veux dire, tu ne seras pas les 4 semaines? Moi, je vais être, pas dans Open Studio, je vais être le premier week-end. Ah, le premier week-end. Et après, elle passe à une autre série. Voilà. C'est ça. Oui. C'est un petit peu particulier pour Xavier, mais normalement, c'est seulement 2 jours. Ouais. D'accord. Voilà. Mais lui, il va rester plus longtemps. Je vais rester, j'ai une expo personnelle à Café. Donc lui, il va rester tout le mois, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et ce qui est très important, c'est que la guide des Open Studios, elle va être gratuite, distribuée probablement sur le San Francisco Bay Guardian. Oui. Et vous allez trouver la guide un peu partout dans la ville. Dans les coffee shops, essentiellement, et puis tout ce qui est donc San Francisco Bay Guardian. Comme dans un supplément. Oh oui, tu essaies de tous les journaux vont en parler. Ah oui, tout à fait. Oui, oui, c'est dans la presse déjà. Et oui, puis, c'est déjà la presse. Et puis donc, nous allons donner des guides. Il y a un samedi, le samedi 23. Bon, alors qu'est-ce que tu couvres? La peinture, la sculpture et la photographie? Et puis quoi encore? Objets d'art. Il y a des objets tout d'art. Tout ce qui touche à l'art, oui. La broderie? On n'a pas tellement. On n'a pas de broderie, on a des œufs, ce qu'on appelle les egg tassels. On a 2-3 artistes qui font des œufs, donc soit des œufs peints, des gros œufs, ou alors des œufs avec la tisserie. La poterie, Il y en a un. Il y a énormément de choses, des sculptures, donc énormément de sculptures modernes cette année. Et les toiles, plutôt les tapisseries, non? Pas tapisserie, pas peinture. Peinture, oui. Ok. Grosse peinture. Pas pâtisserie sur... Pas pâtisserie, non. pas tapisserie sur... Sur la pâtisserie. pas de tapisserie, d'accord. Donc, pas de peinture sur la... Jeu de mots à la française. D'accord. Et puis nous avons donc Claire aussi également. Alors Claire, c'est la photographe. Photographe. Et tu vas nous présenter quelque chose de différent cette fois-ci. Je vais te montrer quelque chose de différent. Et la petite histoire qui est derrière, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout a commencé pour l'anniversaire de mariage de mes parents. Ouais. Il y a 2 ans et demi, c'était leurs 30 ans. Et donc, on est 2 frères et sœurs et on ne pouvait pas ne pas être présents pour 30 ans de mariage. Et donc, on est rentrés, on est tous rentrés, on est tous passés, on était 50 à passer en famille. Et ça va donner un vague à l'âme terrible, parce que moi, ça fait 7 ans que je suis là. Mm-hmm. Et tout d'un coup, je me suis sentie le moins. Je me suis sentie pas seule, mais à te redemander où sont tes racines, parce que tu t'américanises en étant à San Francisco. Et tu fais ta propre vie, tu t'habitues à autre chose. Et puis tout d'un coup tu retournes. Et tout d'un coup tu retournes et tu te retrouves en famille avec une valeur très française, une culture très française, donc tu es un petit peu perdu. Et j'ai voulu essayer de me retrouver par rapport à mes origines. Et c'est pour ça que ce travail-là, c'est que ça tout a commencé il y a 2 ans et demi, et ça a commencé en Normandie. Parce que moi je passais mon enfance sur les plages de Deauville et de Trouville, où ma maman nous prenait avec mon frère et nous emmenait... passer nos étés en Normandie, près de la Manche. Et donc moi, cette année-là, quand mes parents ont fêté leur 30 ans de mariage en mars, je suis rentrée, je suis partie sur les plages normandes, toute seule, pour un peu me retrouver avec mes sources, mes souvenirs d'enfance, et de voir où j'en étais dans ma vie personnelle par rapport à tes émotions. Et ça, c'est quoi, la plage? Alors, ce qui se passe ici, c'est les petits bains de la plage de Deauville. Quand tu te balades sur les planches de Deauville, tu as la mer d'un côté et tu as ces petits bains pour les enfants, où c'est là des premières fois où j'ai appris à nager, puisque tu as de l'eau jusqu'à la taille, il ne peut rien t'arriver, c'est sûr. Okay. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, ce flou artistique, parce que les gens disent toujours, mais t'es pas fichu de faire une photo nette, t'es quand même photographe, je sais faire la photographie nette, mais ça a une idée en fait de retranscrire le rêve et cette idée de où moi j'en suis par rapport à la Normandie, par rapport à la France, par rapport à la culture, par rapport à moi-même. Okay. Et donc l'idée de ce flou, c'est en fait d'essayer d'attraper ce rêve, ce nuage d'idées où tu penses que la France est, et en fait tu changes, tu évolues, tu vieillis, en plus tu pars vivre à l'étranger, donc c'est plus du tout ça. Donc ça en fait c'est un souvenir, donc tout a commencé. En fait je me suis acheté un appareil photo qui s'appelle un Olga, qui est un appareil photo plastique, qui est très léger, très libre, et qu'on achète pour les... Bon, forcément pour les enfants, mais si les enfants ont... C'est facile à utiliser. Voilà, tu peux le faire tomber, ça casse, c'est pas un problème, ça t'a coûté que de $20.
mais un côté de liberté et enfantin en fait. Et cette technique, en fait, je l'ai développée à un point où ensuite je l'ai appliquée à plusieurs choses. Donc, par exemple, ensuite, au fur et à mesure des années, je suis allée dans d'autres endroits, et ça, c'est par exemple Versailles. Mm-hmm. Et ainsi de suite. Après, je suis allée au Botswana. Je dirais que c'est un miroir de l'autre, c'est ça? Voilà. Et en fait, ça a ce côté, en fait, d'une dualité, d'un miroir. Et aussi, quand tu regardes un paysage, tu peux le voir d'un côté ou d'un autre, tu peux prendre un chemin. Le paysage t'invite, d'accord, en fait, à avoir quelque chose donc, d'autre. De chaque côté. Et en fait, tu prends de chaque côté, et d'accord, ensuite, la façon dont c'est présenté, c'est que le monde continue en dessous, ouais, il ne s'arrête pas. À toi d'imaginer ce qu'il y a derrière, d'accord, et d'imaginer ton propre rêve et d'imaginer ta propre histoire qui se d'accord passe derrière. Et en plus, toutes les images sont tirées très petites, volontairement, de façon à ce que la personne qui regarde le travail soit seule avec le travail. Et donc, même moi, si je ne suis pas là, on a une relation pendant quelques minutes où les gens sont obligés, enfin ils ne sont pas obligés, ils peuvent s'en aller, mais on est personne à les forcer à regarder, mais sont invités à voir le monde sous mon regard et de voir ce rêve, parce que je voyage énormément, et d'avoir l'idée d'essayer de se dire qu'est-ce que je retiens de ce voyage. Et d'accord, c'est pas du tout, j'ai voyagé, pas au Vietnam, en Thaïlande, au Botswana, en Afrique, je fais beaucoup de voyages en Afrique, et c'est toujours, quand tu vas dans un pays, c'est pas le pays tel qu'il est, c'est le pays comment moi je l'ai vu, comment moi je l'ai vécu. Okay. Je l'ai vécu, donc, comment je... Donc tu as fait ça plusieurs fois. Et je fais ça donc maintenant régulièrement depuis 3 ans sur différents pays. J'essaie plusieurs techniques avec différents appareils, puisque je n'impose jamais une idée à un appareil. Je ne lui dis pas, écoute, allez, on va aller faire du travail, tu fais ce que je veux, c'est plus... Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Donc je fais énormément de tests par rapport à les appareils pour voir ce qu'eux ont à m'offrir par rapport à un film, par rapport à une lumière, par rapport à une émotion. Ouais. Et donc ensuite, je sais chaque appareil, ce qu'il a à offrir. Et donc par rapport à ma relation amoureuse du moment avec cet appareil, j'en prends un plutôt que l'autre et on s'en va vivre une expérience photographique. D'accord. Et par exemple, ces deux-là que tu vas exposer? Alors, tu fais combien de poses? Tu fais 24 poses et tu prends 2? Alors non, comme c'est du moyen format, c'est des bobines qui te donnent 16 expositions. Ah, d'accord. Et donc après, tu les sélectionnes. Et c'est un petit appareil que tu... Alors c'est un appareil 6-6, tout plastique, qui est à peu près grand, je sais pas, c'est moi... C'est disposable, non? Non, non, et c'est l'avantage. Ah, tu d'accord peux le réutiliser d'accord plusieurs fois. D'accord, et mais chaque... il n'est pas cher? Non, il coûte 20 dollars. D'accord. Et tu mets du quoi, du 16, du 6 de 16 mm? Non, c'est du 6-6, c'est-à-dire que c'est un négatif qui fait 6 cm sur 6 cm. Ah, d'accord. Et il y a 16 poses. Et il y a 16 poses. Ah d'accord, oui, c'est très bien. Donc, et l'avantage, c'est de donner une liberté absolument extraordinaire. Mais tu peux faire du noir et blanc avec ça? Noir et blanc, couleur, tu fais absolument ce que tu veux. Mm-hmm. Mais tu dois essayer l'appareil pour voir ses possibilités. Donc, il ne faut pas avoir beaucoup d'argent pour faire ça? Ah ça, non, pas du tout. L'argent vient dans l'investissement du film, dans le développement, dans le tirage, dans le temps que tu passes. Mais l'investissement de l'appareil, lui... Et tu nous exposes ça? Alors, j'ai appliqué cette technique-là, c'était les photos de Normandie et de Versailles que je t'ai montré, mais j'ai appliqué cette technique-là en Pologne. Ouais. Je suis repartie en Pologne avec mon meilleur ami cet hiver. Ouais. Il faisait moins 3 à midi, une expérience ouais, très particulière, glacée. Un peu glacée, ouais. Mais c'était aussi une façon de découvrir un pays entre amis. Lui, il a mis sa caméra à 16 mm et on a vécu 2 semaines en Pologne. Ah, et j'ai utilisé plusieurs appareils, j'en ai utilisé 3. Donc il y a des photos de vous? Donc il y a des photos de nous aussi, mais il y a surtout une vision différente selon l'appareil que j'ai utilisé. Une relation différente avec la Pologne. Il y a des photos très nettes, très dures, très froides, mm-hmm, c'est ce que le pays est. Mais à la fois, il y a des flous avec une émotion extraordinaire, parce que la Pologne est un pays absolument fantastique, qui est okay malgré le froid... Donc tu mets des fois des personnes. Voilà, donc des personnes, une émotion différente. Il y aura un peu de ça aussi. Il y aura aussi un peu de ça. À l'expo, malheureusement, je ne peux pas tout exposer parce qu'il y a 65 images. Et qu'est-ce que tu exposes? Alors j'en expose qu'une vingtaine, d'accord, des 3 visuels différents. D'accord. Mais j'ai une chance folle, c'est que j'ai une galerie sur le web, qui s'appelle yourworld.com, donc yourworld.com. yourworld.com. Et eux ont été intéressés par le travail sur la Pologne et eux vont tout montrer. Ah, donc en même temps que Open Studio se passe, moi je suis le 3e week-end
d'octobre sur Folsom et la 6e. Et en même temps que l'Open Studio, on est à côté. Et en même temps, sur le web, mon travail entier, donc les gens qui seraient intéressés de voir plus et de voir... Peut aller sur le web et voir les 65 images. C'est un ami qui fait ça pour toi ? Non, en fait, c'est une galerie que j'ai rencontrée qui était intéressée par mon travail et qui m'a demandé ce que je faisais dernièrement. La dernière chose que j'étais en train de travailler dessus était la Pologne. Ça se crée en même temps qu'Open Studio, donc c'est vraiment un coup de bol. Ah oui ? Open Studio et le web sont en train de montrer la Pologne. Ah ouais. Et de me représenter. Et toi, tu vas montrer une de ces photos, c'est ça, sur ton site ? Sur le guide, internet. Il y aura une de ces photos. Il y a aussi une qui sera montrée, je crois, Sneak Preview, est donc l'ouverture pour Open Studios. Voilà, qui est une photo d'un bateau en Pologne sur la mer Baltique, au point le plus haut où nous sommes allés. D'accord. Et tu vis à San Francisco ? Et je vis à San Francisco depuis 7 ans. Ah, super. Okay. Je suis tombée follement amoureuse de la ville quand j'avais 14 ans, malheureusement. Je suis tombée follement amoureuse de mon copain. De la ville, à l'âge de 14 ans. Je suis tombée amoureuse d'une ville, je ne sais pas pourquoi. On a essayé de m'expliquer ça, mais il n'arrive pas. Je suis tombée amoureuse d'une personne, je ne sais pas. Ah, c'est d'une ville. Tu es tombée amoureuse de la ville. Oui, voilà. Il faudra que tu m'expliques comment ça se passe. Je ne sais pas. Des fois, c'est ce qui se passe. D'accord. Bon, parce que la ville, elle est très différente dans chaque quartier. Tout à fait. Donc, Mais je crois que c'est par rapport à un état d'esprit, par rapport à ce que je recherchais en tant qu'adolescent dans une ville, ce que moi je voulais être en tant que photographe. Parce que j'ai toujours voulu être photographe depuis. Tu aimes autant, par exemple, le quartier chinois que le quartier américain, ou bien. Oui, c'est ça que j'aime à San Francisco, c'est cette diversité. Tu passes d'un quartier à l'autre, tu as l'impression d'une autre ville, d'une autre. Et tu les aimes tous ? Ah oui. Je suis allée à Chinatown, j'ai fait un travail, un portfolio entier sur les gens de Chinatown, sur la culture chinoise, sur des portraits en fait. D'accord. Savoir qui sont les gens, en fait, ce n'est pas vraiment des Chinois, d'accord, c'est les Chinois américains, sur donc la culture. Tu aimes tout le monde, en fait. Voilà, donc tu vas après à Mission, c'est une autre culture, d'autres gens, d'autres. Et en fait, c'est pour ça que j'adore San Francisco, tu te retrouves, tu as envie de rentrer à la maison, tu vas sur Bush et tu te retrouves à Café Claude, d'accord, et tu retrouves la culture française. D'accord. Petit coup de pub. Un petit coup de pub. Mais c'est pareil, tu es en Italie. Moi j'ai de la famille à North Beach, j'ai de la famille italienne, tu rentres dans un café, tu te retrouves à la maison aussi. Donc, D'accord, donc le tout, tu aimes le tout quoi. Voilà, j'aime la diversité, le tout. Ouais. D'accord. Et bon, on n'a pas tellement parlé de toi, je m'excuse, tu es là à écouter gentiment. Mais j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que je suis très contente d'avoir deux artistes à représenter. Ce soir. Oui, tout à fait, oui. Est-ce que tu es un petit peu artiste toi ? Moi, je suis un petit peu artiste, malheureusement, je n'expose pas du tout dans ma chambre. Quel est ton hobby ? Tu veux nous parler Je dessine. Je dessine également, j'utilise la pastel. Mais c'est vraiment pour mon plaisir personnel. J'en suis pas encore à ce stade. Et puis, je préfère, je dirais, faire la promotion pour les vrais artistes. Ça, c'est mon côté artistique. D'accord. Ouais. Et tu fais ça très bien. Enfin, vous me direz le compte rendu à la fin de professionnel des 4 semaines. Je suis sûre que vous aurez beaucoup de succès. Bon ben, ce qu'on va faire après l'interview, c'est qu'on va montrer le reste de leur travail. Et ça, c'est quoi ? C'est de la carte. Moi, je voudrais parler un peu. Moi aussi, je vais participer avec Open Studios et puis je vais avoir mon expo personnelle pendant un mois. Mais j'ai aussi un site sur le internet, c'est www.j2digital.com/Xavier. Oui. Alors j'ai aussi une galerie qu'on peut visiter, j'ai plus de 50 tableaux. Et tu fais aussi, tu vas mettre ce nom oui, partout. Oui, c'est le nom de mon site, c'est un peu partout, c'est sur mes cartes de visite. Et puis en fait... Ça c'est ta carte de visite ? On pourrait dire que oui, que c'est une carte de Alors, visite. Okay. Et en fait, avant j'étais pas tellement ami de l'internet, je suis un peu plutôt comme Renoir qui aime les choses faites à la main et qui n'aime pas les remarque, ça s'est fait à la main, mais c'est photographié sur internet, c'est oui, ça oui. Peut-être qu'à l'époque, Renoir, il aurait aimé avoir internet, remarque. Hein? En fait, oui. Et alors, tous mes amis à San Francisco me disaient, tu dois avoir tes photos, tu dois avoir ton travail, tes tableaux sur l'internet. Et moi, j'étais, je m'occupe de peindre, je n'aime pas l'internet, c'est pas pour l'art. Et puis, finalement, on me disait tous les jours d'avoir ça, et puis j'ai décidé d'avoir
ma galerie sur l'internet. D'accord. Et avec une grande surprise qu'après, à peine après 2 jours d'avoir le site complètement prêt, j'ai vendu un tableau en Virginie. Super. Alors, c'est extraordinaire la quantité des gens qui peuvent visiter le site. Et puis. Et G2Digital, c'est une galerie, c'est ça? En fait, c'est un web designer. Ah, d'accord. C'est un web designer qui a mes tableaux exposés. D'accord. Mais ce qui est magnifique, en fait, c'est que les gens regardent le tableau. S'ils aiment, ils t'envoient un chèque et puis t'envoient le tableau. S'ils n'aiment pas vraiment le tableau, ils peuvent tu peux retourner. Oui, et puis tu retournes le chèque. Mais c'est l'internet, en tout cas pour moi, c'est magnifique parce que j'ai la possibilité de montrer 70 ou 90 tableaux en Bulgarie, au Mexique, à Paris ou à New York. Ça aussi est un autre avantage. À San Francisco, nous avons énormément de problèmes avec les artistes qui perdent leur studio du fait du prix de la location mensuelle. Donc c'est bien d'avoir un. Les dot-com, ils sont sympas, mais j'achète tous les studios et les artistes n'ont plus de place. Donc l'internet, finalement, c'est une bonne solution. C'est un bon endroit de mettre. C'est moins cher. Montrer ton travail, c'est moins cher. Et puis de montrer, comme disait Xavier, plus de travail dans le monde entier. C'est accessible maintenant. Et éventuellement, après le mois que cette galerie t'offre, tu peux toujours ouvrir quelque chose. Tu sais que tu peux avoir un site gratuit dans plusieurs endroits. Tripod, ça c'est gratuit. GeoCity, tout ça c'est gratuit. C'est aussi important parce que une fois qu'on a un site et qu'on a un email, on peut avoir une vraie conversation avec le public. Les gens, un commentaire. Les gens peuvent te demander une question très spécifique sur XY tableau. Et t'envoies. Quand est-ce que tu as fait le tableau? Pourquoi tu as fait le tableau? Et tu réponds. Et tu réponds. Et je pense que les gens. Une des bonnes choses de Open Studio, c'est que tu peux parler avec l'artiste ou le photographe ou la photographe et tu peux avoir vraiment un vrai contact, établir un vrai contact sur le processus de créer un tableau ou de faire une photographie. Mm-hmm. Et les gens, pendant un vernissage, explique autant de personnes que possible. On n'a pas vraiment beaucoup de temps. Oui, t'as pas le temps. Et puis, c'est pas très facile d'avoir une conversation. Tête à tête et des fois les gens qui viennent sont aussi un petit peu timides et n'osent pas venir te voir parce qu'ils pensent bon t'es l'artiste, alors l'artiste est inaccessible, c'est le mythe de l'artiste qui est quelqu'un de différent. Et l'avantage du web et du email, c'est que tu peux correspondre avec quelqu'un, te poser des questions plus personnelles et d'avoir une relation. Et les gens quand ils achètent, ils ont la sensation d'avoir au moins un contact avec l'artiste et d'avoir l'explication de l'image et du thème, de ce qui se passe derrière. C'est pas juste une image, parce que bon, chaque personne apporte sa propre idée à l'image, mais quel est le vrai message du photographe? Tu leur communiques ça dans un petit texte sur internet. Et d'autre part, on peut avoir les peintures, les photographes ou les objets sur Internet, mais on peut avoir beaucoup de textes. Mm-hmm. Alors on peut avoir les endroits où on a exposé, où est-ce qu'on a été à l'école. Mm-hmm. Par exemple, moi j'ai appris la peinture avec une peintre française qui s'appelle Brigitte Loire. Mm-hmm. Son père Gabriel Loire, c'était un maître de vitrail. Et il a fait beaucoup de vitraux. Peux expliquer ça sur on Internet. On peut parler un peu plus de ça. D'accord. Bon, ben, je vous remercie aux trois. Ça a été très intéressant. Je voudrais juste dire une petite chose. Ouais. Open Studio, ça commence le 7 octobre. Oui. D'accord. Et donc voilà. Pendant 4 week-ends. Pendant 4 week-ends. Et donc toi, tu fais la promo et eux, ils font les promos de leur propre. Voilà. Okay. Et samedi prochain, donc dans la rue, on peut avoir son guide qui sera distribué gratuitement par les artistes à certains endroits. Dans la ville, notamment donc très près d'ici, la 16e et Valencia, à Ticouz, le restaurant. Ticouz. Ils vont donner, ils vont give away d'accord, le guide d'accord, super. Aux passants. Bon, voilà. Merci aux trois. Merci, donc, beaucoup. Merci beaucoup. Merci Claire, Audrey et Xavier. Merci. Donc, c'était trois personnes qui vont représenter Open Studio qui va se passer donc à partir du 7 octobre. Merci aux trois.